Bolo ici à tous mes chers concitoyens et concitoyennes, combattants de la liberté. Nous sommes le lundi 4 septembre 2023, jour de prestation de serment de notre héros national que nous saluons tous au grand cœur, Son Excellence Monsieur Brice Clotaire Oligui. Voilà pourquoi en ce jour, je préférais vous saluer à travers cette vidéo. Je suis précisément à Bikélé, derrière la cité des mines. Je suppose que ce projet de la construction des logements sociaux avait été financé par l'argent du contribuable gabonais. Comme vous l'avez si dit dans l'une de vos interventions, affaire de copains et coquinettes est finie. Toutes les entreprises qui ont eu à participer à la construction de ces logements, vous avez aujourd'hui pour obligation de venir nous expliquer à quoi vous a servi le budget de financement de la construction de ces logements. Sachant que aujourd'hui, il y a des logements qui traînent abandonnés dans les herbes, dans Libreville, pendant qu'il y a des familles gabonaises qui n'arrivent même pas à s'offrir un logement décent. Vous avez pour obligation. À travers cette vidéo aussi, je tiens ici à rappeler, Monsieur Liban Souleymane avait pour mission de livrer toutes les toitures de ces logements ici à Bikélé. Mais dans notre constat ici, il y en a des maisons qui sont aujourd'hui où les toitures sont quasiment inachevées. Monsieur Liban Souleymane, vous avez aussi obligation de venir justifier vos dépenses à travers ce projet. Donc, vous voyez bien, ce ne sont pas des charpentes qui sont faites en bois. C'est une matière différente que le bois. Et la seule entreprise qui avait pour obligation de travailler, je pense, avec des aciers légers, n'était bien d'autre que la boîte de Monsieur Liban Souleymane. Donc voilà à quoi ces maisons ressemblent. Aujourd'hui, c'est devenu une affaire de celui qui a acheté sa maison finance lui-même les travaux pour qu'il puisse accéder et vivre dans sa maison. Voilà. Ça, c'est une charpente qui avait débuté. Après, elle avait été abandonnée. Donc, monsieur Liban Souleymane, nous n'avions aucun problème contre vous. Mais le contrat reste le contrat. Le contrat était de livrer les toitures de tous ces logements. Mais malheureusement, vous n'avez pas respecté le contrat. Donc, c'est le moment à jamais de venir vous réinstaller au Gabon afin de livrer ce que vous avez à faire pour le peuple gabonais. C'est le moment de reconstruire notre pays à jamais. Donc, voilà. Ce sont des charpentes abandonnées qui sont aujourd'hui inachevées. Voilà. Affaire de copains et coquinettes, c'est fini.